Mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer. Merci de votre fidélité incessamment à renouveler. Bienvenue à toutes et à tous dans cette grande édition de la soirée sur la chaîne de référence internet depuis Kinshasa, capitale de la RDC, d'où nous émettons. Mais bien avant, prenons les grandes articulations de cette grande édition de la soirée. Intense activité ce jeudi 11 février 2021 à la présidence de la République. Le chef de l'État a échangé avec le panel d'experts congolais de l'Union africaine, le responsable de la firme pharmaceutique allemande Roche et le docteur Jean-Jacques Muyembe Tamfoum, responsable numéro 1 du secrétariat technique de la riposte contre la Covid-19 en RDC. Les audiences se poursuivent au sein du tribunal militaire garnison Kinshasa-Gombe dans l'affaire des 20 prévenus militaires de FARDC accusés de violations des consignes et rébellions. Ici à Kinshasa, nous allons prendre la direction du bureau présidentiel installé au Palais de la Nation. Le chef de l'État a conféré le jeudi 11 novembre dans son bureau de travail avec les panels d'experts congolais chargés de l'accompagner dans sa mandature exercice 2021-2022 à la tête de l'Union africaine. Il faudra signaler que cette même délégation l'a accompagné récemment lors de son intronisation comme président de l'UIA, c'était Addis Abeba en Éthiopie. Reportage avec nos confrères de la presse. Présidentielle. De retour au pays après son investiture en qualité de président de l'Union africaine pour l'exercice 2021-2022, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu une séance de travail au Palais de la Nation avec le panel d'accompagnement de sa mandature à la tête de l'Organisation panafricaine. Des orientations relatives aux activités du président de l'Union africaine à son plan d'action ont été évoquées au cours de cette réunion, atteste le professeur Ntumba Luaba, coordonnateur du panel. Nous sommes venus avec tous les membres du panel pour recevoir les directives et les orientations en ce qui concerne la mise en œuvre de sa vision stratégique pour cette mandature, de son plan d'action et parler de la programmation des activités. Conformément à sa mission, le panel va accompagner le président de l'Union africaine à travers le monde où il va porter haut la voix de l'Afrique auprès de différents partenaires du continent. Par ailleurs, la Fédération internationale de football association a choisi la RDC comme pays pilote pour l'organisation d'un tournoi interscolaire. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, l'a annoncé au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au cours d'une première réunion de contact virtuel que le président en exercice de l'Union africaine a eue avec le responsable de l'instance du football mondial. Après l'avoir félicité pour ses nouvelles responsabilités continentales, le président de la FIFA a évoqué les possibilités de coopération avec l'Afrique. Parmi les projets phares que la FIFA veut développer sur le continent figure le tournoi interscolaire avec la RDC comme pays pilote. L'objectif est d'utiliser le football pour l'éducation et inculquer aux écoliers les vertus du sport comme le fair play. Le président de la FIFA est attendu prochainement à Kinshasa. Restons toujours dans les installations présidentielles. Le chef de l'État a conféré le même jeudi 11 février de l'année en cours avec les représentants mondiaux de la firme Roche. Et bien sûr, M. Franz Christophe est venu faire part au chef de l'État de la volonté de cette grande firme pharmaceutique et biotechnologique de pouvoir éradiquer les cancers en République démocratique du Congo. L'essentiel avec nos confrères de la presse présidentielle.
La grande compagnie pharmaceutique biotechnologique des renommées mondiales Roche annonce un nouveau partenariat avec la République démocratique du Congo à travers le ministère de la Santé pour élargir l'accès au diagnostic et au traitement du cancer. C'est ce qui ressort en substance de l'entretien que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu avec le président mondial du groupe Roche, Christophe Franz, à la tête d'une délégation allemande. Le renforcement du partenariat avec Roche dans le cadre de la couverture santé universelle a été également au centre des échanges. On a discuté de notre partenariat stratégique avec le ministère de la Santé. Roche et le ministère de la Santé vont établir des centres de traitement de cancer performants à un niveau mondial. On a commencé avec l'ouverture hier d'un laboratoire de cancérologie au sein du centre universitaire médical de l'université de Kinshasa. Et on va ajouter encore deux laboratoires au-delà. Et ça sert que déjà en 2021, on aura la possibilité de traiter entre 700 et 1000 patients avec les derniers produits contre le cancer et sans frais pour le patient. Le Covid-19, des opportunités d'améliorer la détection de cette pandémie et des moyens médicaux pour le traitement ont été aussi évoqués au cours de l'entretien. Le responsable de la firme allemande, Roche, a proposé de mettre des experts à la disposition du ministère de la Santé dans le choix des médicaments. On va clôturer le long chapitre présidentiel dans cette grande édition de la soirée avec cet entretien tête-à-tête Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Jean-Jacques Tamfoum Mouyembe, les virologues congolais. Il était question bien sûr d'évaluer la situation de la pandémie Covid-19 en République démocratique du Congo et de faire des propositions concrètes au chef de l'État pour la réouverture des écoles et universités à travers l'étendue de la République démocratique du Congo. Reportage avec nos confrères de la presse présidentielle. Bon, je suis venu donc présenter au président de la République la bonne nouvelle, c'est que l'évolution des cas est plutôt favorable. Nous avons amorcé, n'est-ce pas, la descente de la courbe épidémique des cas de Covid en RDC. Et comme vous le savez également, c'est que ce n'est pas toutes les provinces qui sont affectés par cette maladie. Il y a des provinces qui sont encore indemnes et d'autres qui ne présentent que quelques cas. Et enfin, vous avez donc quelques provinces qui sont fortement infectées. Sur base donc de ces éléments, nous avons fait des propositions concrètes au président de la République. Et le président va donc examiner ces propositions et très prochainement, les décisions seront donc prises pour, en ce qui concerne la réouverture des écoles et des universités. Et j'ai profité également de cette audience pour faire un rapport de mon voyage en Corée, principalement en ce qui concerne les possibilités de fabrication de masques ici en RDC, avec l'appui, n'est-ce pas, de la Corée. Ce que j'ai vu en Corée, c'est la discipline et le port de masque est quasi obligatoire partout, dans les restaurants, dans les bars, dans les bus, dans les taxis, on porte les masques et on les porte correctement. Et donc ça, c'est la première mesure barrière qui nous protège et qui protège, n'est-ce pas, les autres. Et j'invite donc la population à continuer à observer ces gestes barrières qui ont été donc édictés par les autorités sanitaires. Toujours dans le cadre de la lutte contre le coronavirus à travers toute l'étendue de la RDC, une réunion du comité multisectoriel de riposte contre la COVID-19, pilotée par le premier ministre démissionnaire Sylvestre Ilunga Ilunkamba, a eu lieu à la primature. Il était question bien sûr d'évaluer la situation de la pandémie COVID-19 et bien sûr de faire des propositions au chef de l'État pour la réouverture des universités et écoles à travers la République démocratique du Congo. Les points de cette réunion avec
Les porte-parole du gouvernement, ministre d'État, ministre des médias et communications, Jolino Makelele, dit en Poveza Mamouzingi au micro de nos confrères de la primature. Il a été question du constat fait selon lequel la pandémie est en train de connaître une baisse. Et cette baisse est due principalement aux mesures prises courageusement par le chef de l'État à une certaine époque et qui ont donné leurs résultats, notamment le couvre-feu. Et le comité multisectoriel a examiné toute la problématique liée à cette question et est arrivé à la conclusion que ces mesures doivent être renforcées dans certains cas et être libéralisées dans d'autres. Mais la quintessence de ces mesures sera soumise au chef de l'État qui, lui seul, est en mesure de dire demain ce qui sera fait par rapport au constat fait par le comité multisectoriel des ripostes. Des réflexions ont été faites à ce sujet, effectivement, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut réserver la primeur de ces mesures qui ont reçu l'unanimité des participants au chef de l'État qui avait auparavant pris ces mesures. Et donc, pour ce qui est du couvre-feu, on peut confirmer aujourd'hui que le couvre-feu restera en vigueur. Les deux autres questions ont fait l'objet des discussions et des avis qui ont été émis et je peux vous dire que nous sommes plutôt sur une bonne voie par rapport aux préoccupations des parents, des élèves et des enseignants. De Kinshasa, nous prenons l'envol direction le grand nord de la RDC, la ville de Bounia, chef-lieu de la province de l'Ituri, où cette journée récemment, une forte délégation conjointe Banque mondiale et la présidence de la République. À l'issue de cette mission d'évaluation du programme de la stabilisation de trois provinces de l'Est de la RDC par la Banque mondiale, un dîner d'honneur a été offert aux hôtes des marques de Jean Bamani Sassaidi, le gouverneur de la province de l'Ituri. Détail avec Tony Nzola Meso. Venu dans le cadre d'une mission de stabilisation des trois provinces de l'Est, dont l'Ituri, la délégation conjointe composée de la Banque mondiale et la présidence de la RDC a été honorée mercredi 10 février dans la soirée par les membres du gouvernement provincial avec à leur tête le gouverneur des provinces Jean Bamani Sassaidi. À l'occasion de ce dîner d'échange, Mona Nibour, chef de bureau Banque mondiale pour la région de l'Est, justifie le choix porté sur l'Ituri. Le choix de la Banque mondiale, ce n'est pas par hasard. Le choix de la Banque mondiale de travailler avec l'Ituri, c'est vraiment la dynamique qu'on voit avec le gouverneur, le vice-gouverneur, tous les ministres, avec l'Assemblée provinciale, l'AFEC, la population locale, qu'on veut soutenir. Parce que la Banque mondiale, comme on essaie vraiment de dire souvent, ce ne sont pas les projets de la Banque mondiale, ce sont les projets financés par la Banque mondiale peut-être, mais vraiment portés par le gouvernement, ce sont vos projets et nous sommes là pour travailler ensemble avec vous. Le gouverneur des provinces Jean Bamanissa, quant à lui, a témoigné sa gratitude d'abord au chef de l'État pour son oreille attentive à l'Ituri et à la Banque mondiale, partenaire de tout le temps, pour son accompagnement. Il a exhorté par le fait même les autres partenaires à emboîter les pas de la Banque mondiale pour remettre l'Ituri dans les trains du développement. Nous vous en remercions et nous pensons que les autres vont pouvoir suivre parce que vous n'allez pas embrasser tous les domaines, tous les besoins que nous avons et ce que vous appelez les initiatives des trois gouverneurs. Effectivement, ça a été porté par le chef de l'État lui-même qui, en une phrase, dit « l'Ituri doit être une zone, un modèle d'exemple de stabilité et de développement. » La chef de la délégation présidence RDC, Irène Litangael, a salué le courage et la détermination de l'autorité provinciale à restaurer la paix en Ituri. Elle a transmis le vœu du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi du Tshilombo à mettre fin à l'insécurité dans tout l'Est de la République démocratique du Congo. Les chefs de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, se soucie fortement de la stabilité de la région de l'Est. Il est à l'écoute et disponible et disponibilise même des potentialités autour de toutes ses équipes afin que des solutions durables soient trouvées
à la situation qui sévit au niveau de l'Est de la RDC. Fini donc l'étape des discours, le repas fraternel et la remise symbolique de quelques cadeaux ont clôturé la soirée dans un climat de convivialité. Retour à Kinshasa, nous allons prendre la direction de la première zone de défense où siège le tribunal militaire garnison Kinshasa-Gombe dans l'affaire des 20 prévenus militaires des FARDC, accusés tous des violations des consignes et des rébellions. On va prendre bien sûr les conclusions de la troisième journée de cette séance au niveau du tribunal militaire garnison Kinshasa-Gombe avec Sylvain Kapombo Bosengele. Il s'agit de la troisième audience du tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, tenue en chambre foraine, dans l'enceinte de la première zone de défense dans la commune de la Gombe, le jeudi 11 février 2021. Poursuivant l'instruction de cette affaire qui oppose l'auditeur militaire de garnison, ministère public, aux 20 prévenus poursuivis pour rébellion et violation des consignes, le tribunal, présidé par le capitaine magistrat Freddy Ehoumé, a entendu certains prévenus qui ont présenté leurs moyens de défense. Appelés à la barre, deux officiers supérieurs des FARDC ont été auditionnés en qualité de renseignants. Tour à tour, le colonel Bolumbu Ayito Botoya Bilimo Diedoné et le lieutenant-colonel Ataya Kpelo Félix ont donné leur version des faits devant le tribunal. Le premier, chef de département administratif à la force terrestre, a, dans sa déposition, déclaré n'avoir pas vu les militaires manifester pour réclamer leurs soldes à la date de mardi 26 janvier 2021. Toutefois, le colonel Diedoné Bolumbu a reconnu l'existence d'une commission ayant la charge de payer les militaires qui s'étaient présentés à l'unité pour signaler leur arriéré de salaire. Par contre, le second renseignant a déposé à charge des prévenus pour le lieutenant-colonel Félix Ataya, commandant du bataillon de la police militaire ville de Kinshasa. Ces prévenus sont ceux qui avaient bloqué le passage au chef d'état-major général au croisement des avenues Chaoumba et des forces armées. On date suspensionné. L'humanité tout entière célèbre en ce 12 février de l'année en cours la journée mondiale des enfants soldats. Selon l'UNICEF et différents partenaires, la région du Kasaï dispose de 5 000 à 10 000 enfants inscrits au niveau des différentes milices dans ce coin de la République démocratique du Congo. Les détails dans ce papier explicatif signé Esther Badibiabia. Les recrutements d'enfants soldats dans les groupes et forces armées est identifié comme un problème important en République démocratique du Congo depuis 1996. Dans les cadres de la première guerre du Congo, mais aussi dans les tensions provenant de la guerre civile et du génocide rwandais. Entre 1998 et 2002, on estime que 40% des membres de groupes armés actifs en RDC étaient de mineurs. Selon l'Organisation internationale du travail, plus d'un tiers de 300 000 enfants soldats dans le monde se trouvent en RDC. Bien que de nombreuses améliorations aient été apportées, la RDC n'est pas encore parvenue à éliminer complètement les recours aux enfants soldats sur son territoire. En effet, une réduction du nombre de mineurs présents au sein des forces armées de la République démocratique du Congo a bien été confirmé par l'Organisation des Nations Unies en 2002 et 2018. Toutefois, des groupes armés rebelles tels que Nyatura, les Mai Mai ou les Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, sont encore actifs dans certains territoires congolais et continue à utiliser massivement des enfants dans les fonctions combattantes et non combattantes. Selon les rapports rendus publics par l'UNICEF et ses partenaires, il estime que dans la seule région du Kasaï, entre 5 000 et 10 000 enfants ont été associés aux milices. Les systèmes de sécurité collective de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs à l'épreuve de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, c'est le thème ou la thèse de doctorat soutenue par le chef des travaux Martin Ziakwaou du département des relations internationales de la faculté des sciences politiques administratives de l'université de Kinshasa et de l'IFASIC. La défense publique de la thèse de doctorat a eu lieu à la salle Luc Gillon. Là, nous sommes dans la colline inspirée à l'université de Kinshasa. Reportage pour Paul Ziakwaou.
Il a réussi à remplir la salle de conférence Luc Jion de l'Université de Kinshasa, la colline inspirée. C'est jeudi 11 février 2021. Martin Ziakwaulembisa est désormais docteur à thèse en relations internationales de la faculté de sciences sociales, administratives et politiques après avoir soutenu son travail de 1000 pages sur le système de sécurité collective de la Conférence internationale de la région de Grand Lac, CIRGEL, lesquels est mis au défi par la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, précisément dans sa partie est en proie à l'activisme de groupes armés locaux et étrangers. La CIRGEL est fondée sur la nécessité de mettre fin à l'insécurité à l'est de la RDC, mais cette insécurité est le fait de plusieurs acteurs. Il n'y a aucun de ces acteurs au sein de la CIRGEL qui ne comprend que les pays de la région des Grands Lacs qui ne sont pas acteurs mais qui sont agents. Soutenu devant d'imminents professeurs, cette thèse a donné des pistes de solutions, fait savoir les récipiendaires. Nous pensons qu'il faut absolument, pour que la RDC puisse sortir de cette impasse, travailler en fait qu'il y ait des réformes pratiques qui puissent lui permettre de sortir de l'état à combien s'en mettre et de développer la conception de l'état à combien qu'on met à respecter. Mais pour qu'on y arrive, parce que les défis sont énormes, il faut que nous obtenions le soutien de moyens puissance internationale. Avec émotion et suivi attentivement Martin Ziakiaou, le membre du jury ont proclamé la mention « Grande distinction » à celui qui sera désormais appelé « Docteur en relations internationales ». Martin Ziakiaou Lembisa. De Kinshasa, nous prenons la vol direction la ville de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, à l'occasion du 25e anniversaire de la disparition d'Adrien Mombele, connu célèbrement sous le nom de Servos Nyarkos Lengantier, monsieur Mandela Sokoto, un grand sapeur, successeur de Papa Wemba dans la ville de Mbandaka, a organisé une grande manifestation haute en couleur des sapeurs dans ce coin de la République démocratique du Congo pour honorer Lengantier. Détail avec José Maza Osukuma. Le rond-point de l'Afrique Hôtel de la ville de Mbandaka a servi de cadre de la célébration de l'anniversaire de la mort du pape de la religion Kitendi, Stervos Nyarkos, décédé le 10 février à Paris en France. Les rois de la SAP, le prophète et berger Sokoto Mandela, successeur de Papa Wemba, a réuni quelques sapeurs autour de cet événement qui a attiré une foule. Il s'agit de l'exposition des différents modèles des chaussures de haut standing étalées sur l'avenue Ipeko, puis sur l'avenue Bonsomi, tout en présentant des pas de marche et des sapeurs. Y étaient présents les rois Mandela Sokoto, les coordonnateurs de la SAP, les capitaines de l'équipe, l'ingénieur Junior Stemaille, le Zabi Alfred, conseiller de la SAP, Johnico qui voit la Salabissala coller la terre, producteur et gardien de la SAP, lieutenant Songo Iboto, metteur en scène de la SAP, et enfin, le lieutenant Observance Kandalosaou de la SAP, alias Saddam Hussein. Le roi, prophète, berger, successeur de Papa Wemba, Mandela Sokoto. Avec notre partenaire de tous les soirs et de tous les temps, la voix de l'Amérique, The Voice of America, en 60 secondes, nous allons scripter l'actualité en Afrique. Au Mali, le comité de suivi de l'accord d'Alger s'est réuni à Kidal, ville qui demeure sous le contrôle de l'ancienne rébellion. Les anciens groupes armés rebelles et pro-gouvernementaux, ainsi que les partenaires, disent vouloir faire avancer l'application de cet accord de paix signé en 2015. Le représentant spécial de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas, a souhaité une présidentielle du 11 avril participative et transparente au Bénin. L'opposition dénonce une disposition de la loi électorale qui impose à chaque candidat d'être parrainé par 16 maires ou députés. Or, elle ne dispose que de 6 élus. Au Kenya, les poursuites contre 15 policiers accusés de s'être déchaînés sur une famille sous prétexte de faire respecter le couvre-feu ont été abandonnées, suscitant la colère des défenseurs des droits humains. L'armée éthiopienne a tué au moins 83 civils et déplacé des milliers de personnes dans les premières semaines du conflit contre les autorités dissidentes du Tigré. C'est ce qu'affirme Human Rights Watch, dont le rapport s'est concentré sur trois villes, Mekele, Shire et Houmera. Nous allons aussi jeter un coup d'œil sur les faits marquants de l'actualité à travers la planète, page internationale.
L'opposant russe Alexei Navalny, de retour au tribunal ce vendredi, il comparaît pour calomnie, une parodie de justice, estime-t-il, motivée par des intérêts politiques. L'avocat blogueur est accusé d'avoir diffamé un ancien vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui avait soutenu les réformes constitutionnelles de Vladimir Poutine. Réformes permettant au président de briguer deux mandats supplémentaires après 2024, s'il le souhaite. Alexei Navalny a été condamné la semaine dernière à 3 ans et demi de prison ferme. L'opposant s'est remis à Berlin d'un empoisonnement sévère, derrière lequel il voit l'ombre du Kremlin, ce que la présidence russe dément. Les puissances occidentales discutent de possibles sanctions contre Moscou. L'incarcération de Navalny a provoqué des manifestations dans tout le pays, donnant lieu à un nombre sans précédent d'arrestations. Ses partisans prévoient de se rassembler à nouveau dimanche. Les organisateurs appellent à allumer des bougies ou les lampes torches de leur téléphone portable. Ces manifestations sont déjà qualifiées d'illégales par les autorités. Pour les procureurs démocrates, cela ne fait aucun doute. Si un jour Donald Trump revient au pouvoir, il récidivera. Raison pour laquelle, selon eux, les sénateurs doivent condamner le 45e président des États-Unis pour incitation à l'insurrection lors de l'assaut meurtrier du Capitole. Comment pouvons-nous garantir que notre commandant en chef nous protégera et défendra notre Constitution si nous ne tenons pas un président responsable dans une telle circonstance? Qu'est-ce qu'une conduite qui porte le discrédit sinon celle-ci? Je vous mets tous au défi d'y réfléchir. Si vous pensez que ça n'est pas un signe de discrédit, que faut-il? Pendant 2 jours, les procureurs démocrates ont porté l'accusation contre Donald Trump. Ils laissent désormais la place à la défense, qui bénéficiera du même temps de parole pour défendre l'ancien président. Je pense qu'ils font un film. Ils ne l'ont en aucun cas lié à Donald Trump. Et je pense que c'est offensant, très franchement. C'est l'antithèse du processus de guérison de continuer à montrer la tragédie qui s'est produite ici et que Donald Trump a condamnée. Et franchement, cela déchire le peuple américain. Pour ce sénateur républicain qui a soutenu la tenue de ce procès contre Donald Trump aux côtés des démocrates, pas question d'évoquer une éventuelle culpabilité avant la fin des débats. En tant que juré, vous ne prenez pas de décision avant d'avoir entendu les deux parties. Point final. C'est pourquoi si vous me posez les questions que je souhaite voir abordées, j'aimerais qu'elles soient abordées. Mais je ne prends pas de décision tant que je n'ai pas entendu l'autre partie. Quoi qu'il en soit, Donald Trump pourrait être acquitté rapidement. Peu probable en effet que 17 sénateurs républicains acceptent de voter avec les 50 sénateurs démocrates pour former la majorité nécessaire à sa condamnation. Fin de cette grande édition de la soirée, mais bien avant, prenons les rappels des titres. Intense activité ce jeudi 11 février 2021 à la présidence de la République. Le chef de l'État a échangé avec le panel d'experts congolais de l'Union africaine, le responsable de la firme pharmaceutique allemande Roche et le docteur Jean-Jacques Mouyembe-Tanfoum, responsable numéro 1 du secrétariat technique de la riposte contre la Covid-19 en RDC. Les audiences se poursuivent au sein du tribunal militaire garnison Kinshasa-Gombe dans l'affaire des 20 prévenus militaires de FARDC accusés de violations des consignes et rébellions. C'est sur ces rappels des titres que nous tirons un trait de cette grande édition de la soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Une fois de plus, merci de nous avoir suivis et de votre fidélité incessamment renouvelée. Au revoir et à la prochaine.